Coucou les copains, j'espère que vous allez bien sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 12 décembre, il est 7h31 et j'ai fini mon cours de chinois. J'ai mon cours de maths et après j'aurai fini les cours en visio. Mais bien sûr, il faudrait que je les rattrape parce que je ne l'ai pas fait vendredi et ça c'est pas bien. Du coup, il faudrait que je rattrape toute cette semaine. Mais ça, toute cette semaine, non, il faut que je rattrape jeudi et vendredi et ça va parce que jeudi et vendredi j'avais pas énormément de cours. Donc ça ira. Et voilà quoi. Là, mon école a réouvert en Chine. Que pour mon année, il y a 11 et l'année au-dessus, il y a 12. Et du coup, j'ai mes copines en Chine qui sont retournées à l'école. Et elles me disaient qu'il n'y avait personne dans l'école et tout. Et surtout que là, quand elles se sont retournées, Bah du coup, elles y sont actuellement en fait. Parce que moi, j'ai ma dernière heure de cours. Du coup, elles aussi, elles ont leur dernière heure de cours, logique. Comme mes sœurs sont retournées, elles me disaient qu'il n'y avait personne. Et qu'en plus, elles sont obligées de porter le masque. En fait, c'est vraiment un bond en arrière de nous en France. Quand au début, on avait repris l'école avec masque. Eux, les Chinois, ils avaient repris sans masque. Et maintenant, ils reprennent avec masque. Et nous, on s'en fout du masque. Enfin, voilà quoi. Bref. Du coup, voilà quoi. J'ai juste allé en cours de maths. Et après, faut que je termine de ranger ma chambre vraiment. Mais... ça va, en fait le truc c'est que ça va, mais tout n'est pas dans le même tas. Attends, hop là. En mode, c'est un peu bancal, non? Bon, en gros, tout n'est pas dans le même tas. Genre, il y a plusieurs tas dans ma chambre et du coup, c'est ça qui rend bordel. Mais bon, franchement, il est 7h30, je termine mon cours à 8h20. Ouais, 8h20? Ouais, je crois que c'est 8h20 ou 8h25. Ah bah non, c'est même pas ma prof qui a démarré le cours, c'est une autre prof parce que en maths, je sais pas pourquoi, ils nous ont mis les deux classes dans le même groupe. Bon, on a tous les contact teams des deux groupes de maths, mais on a deux réunions différentes, donc c'est déjà ça. Voilà. Je crois qu'on est pas beaucoup à être chez nous parce que j'aille sur mon cours, mais je sais pas si il a démarré en fait. Après, je vous laisse. Bon, je vous reprends quand je suis habillée, prête, manger, tout ça. Il est déjà 11h. J'ai terminé mon cours de maths du coup à 8h30. J'ai mangé, enfin là j'ai juste mangé, traîné, regardé la télé et tout ça. Et en fait, on a déjà sorti on a commencé à sortir les décorations de Noël. On a mis le sapin avec les lumières, on n'a pas encore mis les boules de Noël. Et j'ai mon carton parce qu'en fait j'ai une boîte quoi, où il y a souvent des affaires que moi j'ai. Du coup je l'ai prise, mais maintenant il faut juste que je range tout ça pour pouvoir mettre les décorations de Noël quoi, parce que si je range pas ce sera juste moche, donc on va faire ça. Santa Claus is coming to town.
And you know, là, je vais aller nettoyer des verres parce que, genre, j'ai des verres qui disent Noël et sauf qu'il y a un sucre d'orge qui a foutu dans le carton de... et donc ils sont tout collants et dégueulasses. Donc, je vais aller les laver. Voilà, voilà. Pour ça, j'ai mon petit sapin. J'adore, j'adore, j'adore. Les cocos, on se retrouve là. Je rentre d'une petite balade dehors qui n'a pas duré très longtemps parce qu'il fait genre -8000. C'est quoi ça? Il fait tellement froid. Alors mes cheveux, on ne va pas en parler. Vraiment, le truc c'est que vraiment en Chine, je sais pas ce qu'il y a dans l'air, de l'humidité. Mais c'est vrai que mes cheveux ils sont beaux alors que là ils sont vraiment. Mais bon, c'est pas grave. On va pas manifester ça. On va dire mes cheveux sont très beaux. Ils sont en vie, ils sont beaux. Je ne sais pas trop filmer cet après-midi déjà parce que j'avais plus de batterie. Et j'ai fait du coup du montage et j'ai publié 3 vidéos. Enfin, il faut que je vérifie qu'elles soient publiées. Mais normalement, j'ai pu publier 3 vidéos. Du coup, j'avais vraiment perdu le vraiment avec le jet lag. Je sais que c'est pas une excuse, mais je vais utiliser comme une excuse. Hein. J'étais vraiment ailleurs et j'oubliais du coup de publier. Donc, j'ai fait ça 2 jours d'affilée, genre où j'ai posté genre 40 vidéos à la... enfin il était long, je postais pas et après je postais d'un coup. Du coup c'est ce que je vais faire et maintenant, enfin c'est la dernière fois que je le fais aujourd'hui et maintenant par jour 2, cette vidéo ce sera repostée normalement. C'est juste, il fallait un petit peu de temps, voilà. J'ai toujours pas rattrapé mes cours et j'ai pas non plus fini la déco de ma chambre, mais bon c'est pas grave, franchement la déco de ma chambre c'est bientôt fini. J'ai juste à mettre tout ça, en fait j'ai tout posé là. Je vous ai foule depuis le début. Non, en fait j'ai tout mis là, c'est tous les produits qui doivent aller dans la salle de bain ou les produits que je peux pas jeter dans la poubelle normale parce que c'est du tri ou voilà, c'est tout en fait, c'est juste ça. Donc faut juste que mettre ça. Là j'ai encore les décos, j'ai encore quelques guirlandes, enfin j'ai quelques guirlandes, j'en ai 3, non 4-5 parce que je vais en mettre 2 sur les côtés et je vois que je vais en attacher une là je pense, je sais pas encore. J'avoue que cette année j'ai un peu plus de décoration que l'année dernière, donc ça me met happy happy. Surtout que j'ai mes étagères, ce que j'avais pas l'année dernière, et du coup ça fait vraiment trop cosy quoi. Du coup là je suis allée terminer mon sapin de Noël et j'ai récupéré une petite chaussette pour ma chambre. Mais je sais pas où l'attacher, ma petite chaussette. My little sock. My little sock. Je pense que je vais l'attacher à un de mes trucs là. Du coup voilà. Du coup je l'ai attaché là. Je l'ai attaché sur mes rideaux et franchement je trouve que c'est joli. Un peu si on recule. Franchement, nice. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Bon, je vous explique. Il me reste une guirlande comme ça, qu'on n'a pas mis dans mon sapin, donc c'est une guirlande de sapin. Mais je sais pas où la mettre parce que, en fait, faudrait. Je sais pas si elle tient avec de la pâte à fixe. Et en fait je sais pas si je la mets, je vous montre, genre
au niveau de mes étagères. Ce mur il est vide et je vais mettre un truc dessus, donc je vais les mettre là. Mais je sais pas comment les faire tenir. Et du coup il me reste cette guirlande et cette guirlande aussi. Du coup je sais pas si j'essaye de mettre cette guirlande là-bas. Cette guirlande elle est plus petite que la dorée que j'ai mise là. Du coup est-ce que je rangerai pas la blanche contre la dorée que je mettrai là? Je pense que oui. Let's go. Ben d'accord. C'est pratique ça. J'ai perdu une des punaises et en fait sa guirlande ne tient pas. Donc je vais aller retrouver une punaise quelque part dans ma maison et je vais remettre la dorée. Allez, on y retourne. J'ai une nouvelle punaise. Mais non. Alors là, non. Mais dis pas que je viens de reperdre la... Oh non. Non. Putain. Mais wesh, mon œuf. Oh là. Va s'attacher, ma rousse. Va s'attacher.